Bonjour, bonjour, Bandekobanso, bonsoir à tous les amis, tous les vrais patriotes. Accordez-nous quelques minutes, hein, le temps de partager notre direct. Dans le bipo, dans mon Bandekobanso, soit le direct à Zolobaté, donc voilà. Voilà, donc bonsoir chez vous. Le sapo n'a pas de commencement, beaucoup dans la vie, on a 4 minutes. Oyo, ici c'est votre frère, le vrai patriote résistant, Georges Edgar Bampalé. Alors, comme je l'avais annoncé depuis hier, par rapport à la direct, la mission à l'élo, parlons patrie, parlons république avec le vrai patriote. Donc, il y a direct autour de l'élo, mon collègue à l'élo. Nous allons parler. Premièrement, de tout ce qui se passe au pays, des enjeux de l'heure sur le plan politique, l'institution à Mabunda, à quoi profite ou à qui profite théâtre où ils allaient Koléka, na Kinshasa. Je vois les gens ici, dans les réseaux sociaux, plus il y a UDPS. Nabatumusu et d'autres Congolais inconscients qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe en République démocratique du Congo. Des gens qui sont là pour faire le. Pour être les dialoguistes. Donc faire les dialogues, comme on dit en Lingala. Matin, midi, soir. Oh, bah, ça veut dire comprendre. T'es maïni, nous, ça veut dire que ça, c'est un cannabiso. Et wapi, Félix, c'est que tu l'as dit comme un cannabiso. La fois dernière, j'essaie un peu de vous expliquer les discours de Chilombo et déception au bisou de Nayango en tant que résistant, en tant que combattant par rapport à discours voilà. Mais comme il y a souvent Batu Oyo, comprendre lutte, il y a combat, sens, il y a combat, Nabissoté, ils se mettent là pour nous insulter ou soit nous traiter d'être de jaloux ou de gens Oyo, tous allés Bundisa. Surtout beaucoup, il y a Félix, surtout qu'il y a UDPS, sans pour autant savoir que nous autres, nous pouvons bien rester chez nous. Je reste dans mon coin, je fais ma vie, sans pour autant parler de la République. Et si on vient ici vous parler de ce qui se passe, si on vient ici faire le réveil patriotique, c'est parce que nous aimons ces pays-là. Si on vient ici parler. De nos hommes politiques, de la classe politique congolaise. C'est parce que nous sommes attachés. N'eût été l'amour patriotique, chacun peut bien rester dans son coin et faire sa vie. Je vois les gens de l'UDPS ici crier au triomphalisme par rapport à Hold Up pour Bauchi Kosala. À l'Assemblée nationale avec Jeanine Mabunda. Je vois des gens ici faire des vidéos pour dire que c'est maintenant que l'alternance commence. Il y en a d'autres qui vont loin pour dire que le Congo est libéré. Mais je vais vous poser des questions ici. Moi et vous,
que nous puissions réfléchir ensemble. Par rapport à l'avenir politique dans notre pays. Premièrement, je veux d'abord savoir si Jeannine Mabunda est la première personne, ou le premier président de l'Assemblée nationale qui a été déchu de ses fonctions. Joseph Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Je dis bien 18 ans au pouvoir. Et puis, il continue d'être au pouvoir d'une autre manière, bien sûr. 18 ans au pouvoir. Durant les 18 ans de Joseph Kabila, nous avons connu le président de l'UNC, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Nous avons connu Évariste Bouchard, président de l'Assemblée nationale. Nous avons connu Obin Minak Ndjalandjoko, président de l'Assemblée nationale. Et Batunyon Sonazali Kositele Binowana. Ce sont des gens de la famille politique de Joseph Kabila. Qui ont été déchus de leur fonction en tant que président de l'Assemblée nationale en plein mandat de Joseph Kabila en tant que président de la République. Aujourd'hui, le même député que nous avons critiqué hier, le même député que les gens de l'UDPS ont traité ou qualifié d'être des députés nommés. Ce sont le même député aujourd'hui que l'UDPS est en train de corrompre ou que l'UDPS a corrompu pour se faire une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Je viens ici dans le propos de M. Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound vous dit que je veillerai aux intérêts de ceux qui viendront du FCC, de l'Union Sacrée. Donc je vais veiller aux intérêts de ceux qui viendront du FCC. La première des choses que la population congolaise et la majorité des Congolais oublient, ils allient que les gens que Félix Tshisekedi Tshilombo a rencontrés durant le 21 jours, ceux qui 24 jours à consultation à Sali, il y a certains leaders politiques, pour ne pas citer leur nom ici, comme Jean-Pierre Bemba et les autres, qui ne sont pas venus rencontrer Félix Tshisekedi pour lui faire le beau yeux. Donc, il y a beaucoup d'années pour avoir intérêt à Bango Moko ou Zapé na Katia Makabo Bango Zadiko Sal. Et ces accords que Félix Tshisekedi a signé avec ces gens-là. Oye base aïe des pèses baïe bina noté. Oye baoye basali kogana balabala. Que babengani occupation. Baoye basali kogana na balabala. Que basu pouvoir na katambo kawana. Baïe bi moutouna makoloté. Quand vous avez le président d'un parti politique, AI, en fonction.
qui est aussi le bras droit de votre soi-disant président de la République, Félix Tshilombo. Naba scénario nabango. Parce que ici aussi, je vais vous parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avant de passer au vote du bureau des sages qu'ils ont installé récemment. Quand Kabound vous dit que je vais veiller aux intérêts de ceux qui vont venir du FCC, dites-moi où se trouve l'intérêt de la population, où se trouve l'intérêt. Il y a baye oyo bazali ko sepela na balabala le goloba moto bazobi na moto h. Parce que là vous êtes en face d'un groupe d'individus. Qui veulent se partager le butin de vos efforts, de votre combat, tout en vous regardant dans les yeux et en vous disant que nous sommes en train de le faire pour vous. Mais en réalité, ils le font pour leurs propres intérêts. N'a pas intérêt à ma famille ou à Bango. Félix Tshilombo totalise aujourd'hui 2 ans en tant que président de la République. 2 ans. En tant que président de la République, 2 ans. Après 2 ans, ce monsieur revient et prend la parole pour dire à la population que malgré les 2 ans de grâce, donc vous avez voté un chef de l'État pour 5 ans pour vous servir. En tant que peuple. Mais ce monsieur est allé signer des accords sans votre avis. Et ce même monsieur revient vers vous pour vous dire que nous avons travaillé avec le FCC, je leur ai donné 2 ans de mesure de grâce. Et durant les 2 ans, il y a Félix depuis a commis. Qu'est-ce que vous avez gagné en tant que peuple, en tant que population? Rien. Et aujourd'hui, ils veulent vous faire croire que, après avoir arrêté ou soit modifié les noms de la coalition FCC Cash, c'est maintenant qu'ils vont travailler pour vos propres intérêts avec des gens. Oh, bah, mon moko, n'a bi so ban so tuye bi que bah, toi n'a pas voté bah, mon te. Donc, ils se retrouvent à l'Assemblée nationale comme députés. Suite à volonté, à mon tout, moko boy, tout groupe, y'a pas individu, moko boy. Oh, bah, noma bah, mon. Raisonnons comme les gens de l'UDPS. Aujourd'hui, toujours le basu majorité, basa la majorité n'a parlement. D'après l'RTIR, basu majorité n'a parlement. Ok. La majorité au bango basu, ils ont signé des accords pour nous composer gouvernement. C'est quoi bango bakosala? Basu majorité n'a parlement. Bakosala bas accord, basa il y a bas accord. Pourquoi bakosala pété? Basa il y a bas accord na batouana que les gens au balongo na FCC baye pa na bango, ces individus là vont bénéficier de quelque chose na gouvernement sikawo ko salima dans les jours à venir. Donc parmi eux et leur plateforme ou regroupement politique ou parti politique, il y a des gens qui vont se retrouver demain ministre PDG dans une entreprise. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a eu des députés de la majorité, la soi-disante majorité de Joseph Kabila, qui ont voté contre Jeanine Mabunda. De 1,
Bonsoir, Maman Jolene. Doha. Au sein du FCC, il y avait des députés. Je dis bien des députés. Et c'est un membre de la plateforme FCC. On va dire qu'on reconnaître Mabunda. Ce qui est orgueil à Mabunda, n'a comportement naïe. Na quand il y a FCC, et l'autre bataille de PES, il y a Balider Moussous, Obino Boye, il y a tête d'affiche, il y a FCC. Et bah, il y a un réunion, il y a un message, il y a un message. Parmi Bangou et Zaba, oh, Mabunda va nous respecter ça. Ce qui ont eu Bassali Melo et un jeu politique, il y a FCC. De dire que voilà, quand le Bassali a cagé, il y a question pour un champion. Je laisse la main. Vous voyez, Bassali a cagé, il y a question pour un champion. Je laisse la main. Donc, le FCC a laissé la main pour l'adversaire. Baba ou Bassali, combien d'adversaires n'a pas eu de baisse. Mais, bataille de paix, le FCC va bien écouter la question. Écouter la question, c'est-à-dire écouter les enjeux politiques de l'heure et comprendre le sens. Yamaye Oyo, Bango Bazo ne pourrait réaliser dans les jours à venir. Donc, le temps, Oyo bataille de paix, Bazali pour créer au triomphalisme, FCC, Zali Koyo, politiquement, Makambouning, Zali Kosale, Makatamboka. Et Bazo Zenabango na troisième point. Parce que même ceux qui ont la question pour un champion, quand quelqu'un dit je laisse la main, la personne qui est l'adversaire se dit ok, je peux rafler les quatre points. Mais peut-être que la façon dont on va poser la question, la personne qui va attendre, qui a laissé la main, va bien écouter la question et va prendre les trois points. Donc le un point, on est au sel et l'autre. Donc pour le FCC, ko bengana Mabunda to ko kende ya bureau ya Mabunda na équipe na ye mobimba. Ils ont pesé bango na moté maté. Parce que bango ba yebo bango bazali ko sala. Nous sommes des Africains, nous sommes de Bantou. Hein. O moni soko zo bundana nzoko. To ozo bundana gepa. Soko zali na machete na maboko. Et au moment que Guépard va aller à Kolal, soit au quartier Moto, soit aux yeux machette Nayo au Kimi. Mais ce que vous allez errer, il y a qu'au bang, il s'agit de Guépard, Wana, na machette Nayo à la Mouki à Soutouki. Soit, il y a Moto au Bomayo, doit aller yo. Soit il y a par miracle que vous m'avez payé, mais qu'on a la passe. Ma bangue, ça va satanater. Soit vous allez bien à ma case, vous délivrez mon tout, libéla. Soit, au sambe na ramala mouté, mais au cas où me ganlokito, au cas où me manganga, a olia yo. Ce que l'UDPS vient de faire maintenant là, oyo ba tu yi de PES, bazali ko ganga awa, bazali ko ganga sur le réseau social au triomphalisme. Très chers frères et sœurs, bo pesi ba tu ya FCC na Kabila, bo pesi ba mo chance, mon koko ba na yo zilate. Vous pensez que vous avez une chance de vous faire un. Je vais vous dire pourquoi Joseph Kabila est allé au Tanganyika. Et certaines histoires
Oyo elikaka na Tanganyika. Et Joseph Akeye wapi na epa na na Kolwezi pa Muyeje kuna. Et certaines histoires oyo elikaka et pas Zoé Kabila. Aujourd'hui, lui de presse. Qui est fort hier, il y a de cela 2 ans ou 3 ans, l'IDPS qui était dans la rue, criait matin, midi, soir la corruption. C'est le même parti politique, IDPS, qui est en train de corrompre des députés que l'IDPS aussi, hier, qualifiait d'être des députés nommés. Je dis bien de corrompre. Pour se faire une majorité parlementaire. Mais ce que l'IDPS oublie, ils ont dit que le mandat d'un député n'appartient pas au député, mais appartient à son parti politique. Le mandat d'un député n'appartient pas à la plateforme, mais au parti politique. Le mandat revient au parti politique. Aujourd'hui, Tondimi, Bozui majorité. Lélo, biso Tondimi. Ok, Félix, te mette le maboko, Bozui majorité. Bonomé informateur, a identifié majorité Yangope. Ok. Vous formez gouvernement. Dans la formation à gouvernement, il y aura des gens qui vont être déçus. Parce qu'ils ne vont pas se retrouver dans le gouvernement. Et automatiquement, bah, toi, on sera déçu. Oh, bah, yébi, que n'a comment député, grâce à Kabila. N'a comment député, grâce à FCC. Bon, n'a nous m'opanzi, oh, yo, pour, n'a ta chance, n'a pas comment ta ministre, pe na vie. Et simité. Bah, zongi, bah, mounia, sur Kabila. Ce qui majorité, wana, ou bozana, molélo. Botier gouvernement. Bah, tout m'sous, bah, se retrouver, t'es. Parce que là, il ne s'agit pas de la population, il ne s'agit pas de l'intérêt de la population. Ah, vous allez comme ça, la minute, vous allez intérêt personnel, individuel, intérêt de la famille politique na bango. Ou bien vous allez vivre les noms. Ceux qui lobby, majorité en est basculé, le premier ministre, vous allez le nommer, le gouvernement n'aïe, parce que ici, il y a bateau, il y a un truc pour corrompre. Parce qu'aujourd'hui, tu peux corrompre quelqu'un avec 10 000 dollars. Ton adversaire politique, après demain, propose à la personne 20 000 dollars. Ne pense pas que la personne que tu as corrompue avec 10 000 peut refuser de prendre 20 000 demain. Batro bino pour corrompre les Lunambongo, pour vous faire la soi-disante majorité, tout en leur promettant que vous allez vous retrouver dans le gouvernement, vous allez vous retrouver à la tête des entreprises de l'État comme DG, PC et autres. Ce qui l'homme va se retrouver, c'est l'intérêt que vous allez copier, c'est vraiment mon ami. Et que le gouvernement a des profits. Dites-moi, c'est après 4 ans de pouvoir, de mandat, il y a Chilombo, il y a besoin de ce qu'il n'y a pas de population pour envoyer sa population que maintenant, on attendait qu'on dissoudre l'Assemblée nationale. C'est pour faire quoi qui va bénéficier à la population? Parce que le moment où il fallait qu'on dissoudre ensemble wana et servir le peuple, c'était le moment où il y a eu le moment où il y a eu la histoire de la Congo. Le moment où il y a eu le moment. Et ça dit, oh, il y a eu ça là. Alors, vous avez un chef de l'État qui passe 2 ans, il y a un mandat qui est là, il y a un mandat qui est là, il y a un mandat qui est là. Il y a copé ça à Babouro Nabino Mési de grâce. Pendant 2 ans. Donc, vous avez voté un chef de l'État. Qui, après 2 ans, il vous dit que vos bourreaux, Bato Baboma Bino, Bato Oba assassinat Bandeko Nabino, Bato Oba Boma Babosi Moukende les autres, Napé Si Bango, 2 ans à mesure de grâce. Et au lieu de revenir vers vous,
pour dire que bon, on appelle ça qui bango si koyo, tokati makambo si na biso ma assemblée nationale, pouvoir il faut un bon peuple, tout ça makambo lengue singeli. Non, non. Le même monsieur là, ou appelle ça qui sous 2 ans, il vous dit que je vais maintenant m'associer avec les enfants, to, ma partenaire, il y a Bourou Nabino principal, ou Joseph Kabila. Donc je vais m'associer avec une partie, il y a Bourou Nabino Moussoussou, comme ça, tout ça, il y a Nabino Moussala. Comment le bourreau du peuple, bourreau, il y a peuple là, il y a un Congolais lobby, peuvent changer aujourd'hui, détenus, il y a changé Kazaka, et il y a quand il va servir le peuple. Depuis quand? Depuis quand? Bon, moi, j'ai une image, il y a un soldat qui a été formé Bango et pas Joré Kabila. Na Tanganyika kuna. Bah, image en circulation sur les réseaux sociaux. Des militaires. Ozoé Kabila qui est dans le côté de la barona biloko ya kolia bazo binaboué. Bah, image en dans les réseaux sociaux. Recrutement ya basoda wana na formation wana lancé par la province du Tanganyika, par le gouverneur de la province du Tanganyika, qui est le frère propre biologique de Joseph Kabila Kabange. Ba forma ba soda wana, kuna. Ba soda oyo, ba zu formation, sur ordre, ya Zoé Kabila, dira formation na ba momo bimba. Balayé à travers Zoé Kabila. Et Lelo, avec tout ce qui se passe à Kinshasa, au niveau du Congo, Joseph Kabila a longwa à quel loalaba. Bino na mitou na bino bo réfléchir bien. Des deux, vous pensez que si les gens du FCC, ici je parle, il y a en tête du FCC, si ces gens-là se sentaient mal à l'aise, ou si ces gens-là se sentaient que ma famille peut perdre pouvoir, ou bien pour le but pour récupérer pouvoir, mais ma famille a battu les falais le Mwakisha. Mais ils sont là. La famille de Joseph Kabila vit au Congo. A Kingakati, sa famille et ses enfants, la Kingakati. Baye Oyo, Joseph Kabila battu les Baboma. Attends mon côté, procès n'est pas là. Mais vous avez un chef de l'État qui vient vous dire que j'ai donné 2 ans de mesure de grâce à vos bourreaux. Et qui vient vous flatter pour dire que dans les jours à venir, on va installer on viendra installer le cours pénal international ici au Congo pour juger des gens qui ont eu à commettre de meurtres autres. Mais ce sont les mêmes gens. On va commettre ma meurtre, les mêmes gens qui ont tué tes frères et sœurs, on va tuer peuple naïo. Ce sont les mêmes gens auxquels on somme à Bango pour te faire une majorité. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va encore sacrifier ma partenaire Yaye Alelo. S'il n'a pas pu le faire avec Joseph Kabila, on va signer pendant 2 ans. Vous pensez que Nabato Yalelo, Oya Sombi, ma député Nyosowana, Oba Serva sur Joseph Kabila, tu ne me vois encore le sacrifier? Je ne suis pas sûr. Des trois plutôt. Nous sommes tous au courant ici. Il y a un rapport mapping. Il y a un rapport mapping. Aujourd'hui, nous avons le prix Nobel de la paix. Le docteur Denis Mukwege. Quand tu le vois reçu Denis Mukwege, il a encore parlé des rapports mapping.
Vous avez le contrat minier que Joseph Kabila a signé avant de céder le pouvoir. Tout ya possible, ça pouvait pas Chilombo avec la Chine, parce que bah on majorité dans ma contrat voilà, la Chine. De un, avec Poutine et les autres. La Russie, beaucoup de gens qui ont soutenu Joseph Kabila. Dans le cas rapport mapping, vous avez les noms de la famille, la famille biologique à Joseph Kabila. Dans le cas rapport mapping. Est-ce que vous avez déjà vu, sur le plan international, balancer arrêt contre Joseph Kabila, tout contre Bato Yaye, à part des sanctions. Que Bako Bimakisha, c'était, mais qu'on ne coule pas en haut. Mais si besoin en haut, n'en noté. Joseph Kabila est protégé. Et il est sûr de lui. Par d'autres multinationales et d'autres pays, Nakatia Poto Awa, Nakatia Monde Awa. Je vais vous relater l'histoire de Mouzé. Mouzé est arrivé au pouvoir avec le Rwandais. Arrivé au pouvoir, Mouzé n'a pas pu respecter les deals avec le Rwandais. Nabuzo Boyaye. Mouzé est allé se confier au président zimbabwéen, comment il s'appelle encore? Paul Mugabe. A qui pire Mouzé Boy, Mugabe. Et Mugabe a envoyé des soldats pour protéger Mouzé Laurent Désiré Kabila na Batounaye. Et Mouzé a lancé l'appel aux Congolais pour chasser les Rwandais, sans pour autant se préparer aussi sur le plan diplomatique na Batoumoussous. À l'époque, Nakati a MPR. Il y avait des gens de Mobutu, oh Moussous Balongwaki, bah des évents Mobutu, par exemple, qu'on s'alliait par Mouzé. À l'époque, Mouzé échangeait avec ces gens à lui, comme Félix le fait aujourd'hui. Partagez-moi les directs. Vous partagez direct, s'il vous plaît. Vous partagez. Il faut tout faire la bongo. Tout faire la bongo. Il y a taliban. Tout faire la bongo. Il y a qui c'est que disent. Tout faire la bongo. Il y a djanelo. Vous allez comprendre le côté. Partagez-moi les directs, s'il vous plaît. Mouzé était sûr de lui. À l'époque, je dis bien, Mouzé, Laurent Désiré Kabila, était très sûr de lui. Sûr, il y a soutien naïe et pas Mugabe. Et quand on a commencé à chasser les Rwandais à Kinshasa, Mouzé faisait la fête avec ces gens à lui. Je dis bien, il faisait la fête, comme tu le fais aujourd'hui, Otomoni. Après avoir ça la discours, on a eu Saliwana, Salikokokokope, ça va promesse, il y a des candidats président de la République, au lieu de parler comme un chef de l'État. Bavandi, Bazo, mais la champagne, musique, les obéta, Lucola discours. Mouzé, pas Vanara Bongo. Elle dit, cette dame m'a appelé, je lui ai raccroché au nez. Ça, c'est Mouzé. Et Batunaye, bah, c'est qui? Mais mon colobali a Mouzé. Maintenant, il va comprendre. Mon colobali a Mouzé. N'abissons pas qu'il noie. Autre soutien à Mouzé. Parce que moi, je suis parmi les gens qui m'ont fait Rwandais. N'abissons à l'issou. Mon l'issou à Moutou, ce qui est Moutou, à Zosé Kana Moto. Ce l'issou, n'abissons à l'issou 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 à 4 na kangokolo.
Barouande, M. Totumba, moi, j'ai participé. Et Bakata Kakura, à l'époque, Bakata Kakura, ce qui est la roquette, ce qui est la ligne, il y a un peu de courant, Bakataka, na ba mbetu po ba lolamba. Et puis ça qui est méchant fort. To singa bango, to tumba bango. Ndambo ba yaka na bona kangokolo. Mouze, avec ces gens, ba kriya na triomphalisme. Ba Rwande ba kanga bisaka. Ba Rwande ba kanga bisaka ba kenda. Mais Mouze a comprenate, pour la Mouze na ba tunaye, ba Rwande ba perda ki. Ils ont perdu. Mais nous avons dit, bah, Rwanda, parce que là, il nous a dit, j'ai à TV5 Monde, j'ai à question pour un champion. Je laisse la main. Je laisse la main, j'écoute très bien la question et je vais répondre dans le numéro 3, dans le point 3. C'est ça. Aujourd'hui, bah, tu y as Félix, c'est que tu l'as basé au gang, au triomphalisme. Non, non, les Rwandais ont tué mes frères. Si je le dis, si je m'en fous. Bah, Rwandais, bah, moi, bah, Nekonanga, ici, j'ai dit que je vais participer, c'est pas un problème. J'étais pas un militaire, j'étais jeune, et puis, voilà. J'assume mes propos. Bah, Rwandais, bah, moi, bah, Nekonanga, nous avons plus de 12 millions de morts, hein. Bobang, il en a été. Merci, ma propos, Nanga. Merci, Ndeko, Kamanda, depuis États-Unis, n'a pas eu le sac, oh. Bon Dieu à toute la famille. Alors. Ndeko, à l'époque, Batu, oh, il va aller entourer Mouze. Il va aller pour rassurer que Awa Sikoyo, tu as mis ma cambre. Félix, c'est que tu l'ombo. N'a pas tout naïe. Aïe, aïe. Basalé pour gagner le triomphalisme. Félix, c'est que tu l'as dit, tu n'as pas eu un triomphalisme. Tu as eu une majorité. Félix a oublié plus de 50 généraux. Il y a Banyamulenge, il y a Barouande, il y a la armée. Ah, Nzambe. Baban, ça. On est sur le mot tigre. Baban, ça a été. On est sur le mot lion. Baban, ça a été. Bomaï. Soit au Bomi, un balamoko. Soit au Bomi. Ce que Bino, ce que Bobangisi Lyon. Hein? Donc, pourquoi Bangisa Gepard? Bobangisi Gepard? Après, Bobangisi Gepard, Gepard, ce qu'on est à Maneko Lala, à Soutouki, à Kimi. Vous avez dit que Kimi a Kéia. Solonayo à Olandango. Ce qu'on a dit, c'est que vous avez dit que la champagne pour. Moni. Mon lui cela mousé la bête binoana. Je réfléchis aujourd'hui, et na okanisa yango na le bi OK. Bino boza la dialelo. Bi se peto se kabino. To se kabino. Donc bi se peto se kabino. Donc bolongo les années de mabunda. Bo constituer majorité parlementaire avec des gens nommés corrompu, Baburo y a peuple Nayo, le même genre qui ont tué le Congolais hier, et qui sont venus se cacher dans la politique et au sein des institutions, c'est avec ces mêmes gens-là que vous avez maintenant constitué votre majorité pour des intérêts personnels au Yabino. Nanoki Boye, tu l'envoies pour mettre un gouvernement Nayo. Nayo, il s'agit de Bino, il s'agit de la vidéo, moi, je suis allé au Lobaker. C'était important que Chilombo, dans ma consultation, naïe, a ça le tour du Congo. Bah, tu vas comprendre qui t'es. Aujourd'hui, je suis jamais qu'à s'aventurer de dire ça, de féliciter Kabila Ndenga Salaka. J'ai dit c'était important. Voilà, dans ma consultation, ah ouais. Parce que mon naïe n'a pas le prendre en bois. Dans ma consultation, ah ouais.
J'avais demandé ceci. J'ai dit, le vrai consultation au chef de l'État, il fallait qu'il y ait ça. Et il y a eu un donc, à quel moment il y a eu pour consulter Bino. Il y a eu un chef qui a eu un société civile. Jeunesse. Mouvement religieux. Il y a eu un chef surtout. Ba kush so nyo so to obino boyebi ayambi asolina bango après avoir ko so na bango a quelle province mususu asolina bango j'ai dit wana ce que contact à chef de l'état na peuple wana consultation à solo Félix c'est que obino bozo ba kaza mwana mboka il n'a pas eu le courage de le faire. Kabila que nous sommes en train d'accuser ici, Rwandais, à Simba Vola. À Tambola, ça la tour ya Congo Mobimba. Je dis bien tour ya Congo Mobimba, Kabila ya Rwandais. Tour ya Congo Mobimba. À Solana, parce que vous avez dit, il y a un mot qui est Mike, à l'école, à Solana Bango. Je dis tour ya Congo Mobimba, Kabila. Félix Tshisekedi Tshilombo reçoit des gens comme de Moïse Katumbi. Qui sont à la base du pillage à minerai au Katanga. Qui ne connaît pas l'histoire de MCK ici? Katanga Gold Mining, quelque chose comme ça. Bah, cobalt Nabiso. Avec ma méthode précieuse, nous sommes surtout en Ayango, na Katanga Belewana. Au Katanga, Moïse Katumbi, à TKTK, à actionnaire, ma société est belé. Les secrets, il y a contrat minier, Oyo, et bandissa Kabila. Parce que, il ne faut pas oublier que Kabila les soutient. Kabila est protégé par le droit de veto d'autres pays. Il y a Chine, il y a. Les Américains sont en train de tromper Félix. Félix pense qu'en allant voir Jean Lorenzo, le président de l'Angola, est-ce que Jean Lorenzo a le même poids que Paul Mugabe à l'époque? Même sur le plan international. Jean Lorenzo a le même poids que Mugabe à l'époque. Mais à l'époque, Mugabe a soutenu Mouzé, Baboma Mouzé. Aujourd'hui, il y a un Azali au Serabino. Donc, il y a un Azali au Serabino. 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 Il y a un donc, à quel point Lorenzo, Jean Lorenzo, va bâtir quelques affaires à Kala d'occasion. Va venir en ayant, et petit tour de Nicolas qui n'a qu'à ti. Va tailler des pèses. N'a pas tribaliste, nous sommes sur la Kuna, va bêtir ma boko. Fati béton. Est-ce que va gagner un béton, wana? Après, ce qu'on tient du tout bien, ou qui va monter, il y a un Kuna, bé. On a avion une occasion où Lorenzo a été lié. Mais Mugabe à l'époque a été dans l'avion. N'a pas soldat. N'a pas char. Tindela Mouzé. Mais du fait que Mouzé a Bomaka Guépard, a Bomaka Lyonté, a Bangisaye, a Guépard, a Barwande, a Salini, a Kanga Bisaka, a Zonga. Mais elle, a Zonga, a Raye. Moi, je suis allé à Moussa, je suis la champagne. J'ai raccroché au nez. Je suis allé à Moussa. Moussa s'est retrouvé en face. Il y a un petit habit, il y a un guépard. En face. Il y a un petit peu à bout portant. Mbouma. Tatata. À bout portant. Hein? Laurent Désiré Kabila, président de la République du Congo à l'époque. A été assassiné dans son bureau. Je dis bien dans son bureau.
Et Moussa, à l'époque, avait combien de ceintures? 4 ou 3 ceintures, il y a pas militaire. Hein? Des petits Kadogo, ceinture à Bakadogo, ces petits à lui, là, des enfants mineurs qu'il avait amenés, Bakadogo, avec une ceinture, il y a pas Zimbabwean, avec une ceinture, il avait des ceintures. Mais la personne qui a assassiné Moussa, ce n'était pas un sniper. Il n'était pas à distance du coup là, il met le Mobo Yabomi Moussa Kenda. Non, non. Il l'a assassiné dans son bureau. Je dis bien dans son bureau. À Zongouma. Une fois, Joseph Kabila dit ceci. Je partirai d'une balle dans la tête. Des fois, il faut savoir lire les signes des temps. Il ne faut jamais chanter la victoire avant la guerre. Donc, guerre, écoute, il y a ma longue guerre. Vous allez vous dire que vous allez vous dire que vous avez une victoire. Vous avez une moto, vous avez une moto. Vous avez une moto, vous avez une moto. Vous avez une moto. Alors, ah, on a minute, oh, il y a Félix, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, pour te conserver le pouvoir, il y a un peu maman, Yako. Ange, oui. Je me dis, peuple, y a le lengue nini, peuple, y a modèle nini. Peuple, y a modèle nini. Je ne vais jamais à Kabound, je ne vais pas combattre, je vais m'entourer, je vais un micro. Azobin, Baromesa na Kabound. Wana siko ya Azobina. Azobina na Esengo. Ya eno ya zaraki na yangonde balongo. Laka ina. Azaliko kubeta Baromesa na wana tepo na entere ya batu. Azaki na sewana. Po ya azaliko la Jeep. Jeep wana c'est plus de 100 000 dollars. Les gens qui l'entourent, qui chantent Baromesa na wana, ça fait des ans dans Moussalate. Mais ces gens là, ils sont ni révoltés, ni frustrés du fait qu'on ils ont voté quelqu'un, ils ont soutenu quelqu'un. Le monsieur en question, deux ans après, il leur dit que voilà, durant tous les deux ans ici, Nassara, je vais donner une mesure de grâce à vos bourreaux. Donc, et ça n'est pas moi de voter. Et quand nous, on vient vous expliquer ça ici, il y en a d'autres qui nous traitent des haineux. Au sein de l'armée congolaise, notre armée, nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Je dis bien, plus de 50 généraux, sans pour autant parler des colonels, des lieutenants et autres, je dis généraux, plus de 50 des Rwandais dans l'armée congolaise, au sein de l'armée congolaise. Vous avez un chef de l'État. On reconnaît un chef de l'État à travers les ordonnances. Parce que le chef de l'État agit par ordonnance. Un chef de l'État n'agit pas par promesse. Un chef de l'État n'agit pas par intimidation. Un chef de l'État ne peut pas intimider. Vous avez les deuxièmes Minembwe. Suite à tout ce qui s'est dit sur le dossier Minembwe, cette terre de nos ancêtres, aujourd'hui occupée par les gens que nous avons accepté de recevoir sur notre propre sol comme de réfugiés rwandais. Votre chef de l'État est au courant de tout ce qu'on est en train de manigancer pour Minembwe. Mais au lieu d'agir par ordonnance présidentielle, non, non. Il agit par la parole. Et vous pensez qu'aujourd'hui, ce qu'a l'Imbouma, l'affaire de Minembwe et Sylvie Batigango,
Non, ça reste parce que il n'y a jamais eu d'ordonnance présidentielle annulant ce qui a été fait ou ce qui a été dit avant. Ce n'est pas pour rien que nous sommes en train de parler ici chaque fois. Il faut déraciner les systèmes. Parce que le système rwandais Tutsi au Congo, les années qui m'a dit que ça, les années qui m'a dit que ça, nous étions ici ça. Ne pense pas qu'aujourd'hui, ce que vous avez au Kati, au Longoli Makassa, tant que le système n'est pas déraciné, tant que ce système-là n'est pas démantelé, il n'y aura jamais de changement au Congo. Moi, j'attends voir dans les jours à venir ce que Félix Tshilombo a nommé informateur na Yewana. Bah, venu sur le gouvernement. J'attends voir. Comment est-ce que la majorité des gens de l'IDPS vont travailler? Na parlementaire debout tout bas là. Et j'attends voir comment Félix va faire avec, parce que si c'est Mbemba qui va être l'informateur, Toki a signé Mbemba avec Moïse Katumbi et les autres, Mbemba va chercher à faire rentrer ces gens à lui aux affaires aussi pour se retrouver, parce qu'en 2023, il attend avoir aussi des députés et être candidat président de la République. Qu'est-ce que vous pensez? Moïse Katumbi aussi, mais maintenant. Mais maintenant. Si c'était par amour, il y a Tshisekedi qui Katumbi aimait beaucoup Tshisekedi le père. Mais Katumbi n'allait pas donner à Hakim, à Fayulu, l'argent, tout ce qu'il a dépensé pour les élections ou la campagne de Fayulu. Il n'allait pas le faire. Ici, il s'agit des intérêts politiques. Ne pensez pas que Batoo soit rejeté Kabila. Non, non. Il y en a d'autres qui ont voté contre le bureau de Mabunda parce que Mabunda était orgueilleuse. C'est point barre. Parce que Mabunda a kataye Maloba un jour. A voté Balongola Mabunda. Comme ça, parce qu'elle a un conflit personnel. N'a que ça, Moutemanaye. Et pour la première fois, je vois des députés au sein de l'Assemblée nationale en train de danser Fimbu, Fimbu. Papa. Bolongoli ba Rwanda basa service à renseignement. Bolongoli ba Rwanda basa na kati armée. Bolongoli bango. Qu'est-ce que vous contrôlez? Majorité au besoin de Bozoganga Lelo. Ceux qui lobby Kuna, les mêmes Badouana, ceux qui sont 7 000, ceux qui sont 35 000, 35 000, oui, le montant $35 000. Ceux qui sont 35 000, lobby Kabila peut donner 100 000. Vous savez combien les députés ont reçu à l'époque pour changer la constitution, pour pas comme c'est élection et comme il y a un tour. Ils ont reçu l'argent pour s'acheter des maisons. Bapé Sabango avance Boyer et les enveloppes circulaient au sein de l'Assemblée nationale. Félix Tshilombo le sait. Bah député Wana, bah Zambongo, pour pas comme c'est élection et un tour, moi.
à l'avantage de la cabine. Avant, Joseph Kabila a dit qu'à pouvoir. Est-ce que vous savez ce que la majorité des présidents, il y a SADC, l'Union africaine, va promettre à Joseph Kabila? Pourquoi on ne l'inquiète pas? Oui, il va promettre sur sa Kabila. Ce n'est pas pour rien que Kabila va dans la Kinga Katina et Kimia. Joseph Kabila est Félix est le moins président de la République aujourd'hui. Suite à volonté, il y a Joseph Kabila. Volonté. C'est Kabila qui a choisi. C'est Kabila qui a choisi. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le secrétaire général. Il y a parti politique. Il y a votre actuel président de la République. Je dis bien, secrétaire général, il y a parti au pouvoir. Tu le dis, il le dit clairement. Joseph Kabila a tali à l'hôpital Topé Sanaï de Pesse. Et si Kabila a pesé pour cause Sanaï de Pesse, ce n'est pas parce que Fayoulou ne pouvait pas, non. Kabila a tali Moutou, il a pu manipuler facilement. Donc, la bête bino du solo ya musée pour que la majorité a basalé koya otcha makelele awa sur les réseaux sociaux. Bah oh, basalé koya makelele na Kinshasa pour dire que pouvoir résoudre la caille à peuple. Bon, comprendre que jusque là, rien n'est fait pour la population congolaise. Rien n'est fait. Parce que pendant 2 ans, ni procès à Rossi Mukindi, ni procès à Thérèse Kapangala, ni procès à Armand Tungulu, ni procès à Fleurbert Chebeya, tu n'as pas vérité, ni procès à président Yalusha, son nom échappe, qui a été calciné dans Katanda Kunaye, lui Kouloula. Donc pendant les 2 ans, Boza a ta procès Mokote. Je dis bien, procès à ta Mokote. Ni monument moko boya mémoire de ces gens-là, au Batonga, que Bachaba Kombo y a aussi Mukedibo, rien. Alors si les gens pensent que c'est faire une majorité avec des corrompus, c'est faire une majorité avec des gens qui ont été nommés. C'est ce qui va faire à ce que la population, le peuple congolais se retrouve demain, ou la population congolaise se retrouve demain, bande de gens pour aller comme ça. Bozali comme ça. Bozali comme ça. Soit, Félix, il fallait qu'il a dissoudre l'Assemblée nationale. Lancer un mandat d'arrêt national. Parce que liste à Batunyos, au Bazar, Batrim, la Congo et Ibani. Mettre tous ces gens résidents surveillés. Cherchant à mettre en place un comité des sages composé de l'église catholique, structure sa société civile, pour voir comment est-ce que dans les jours à venir, organiser des élections. Anticiper, bien sûr. Mais tout en cherchant à ce que
dans une année, tu vas avoir une identification nationale. C'est qu'il allait lui faire 4 ans de mandat ou 3 ans et demi à pas organiser l'élection. Et acte wana, il y a ça que la population congolaise, en majorité, va voter hier. Ce qu'on a mis à Bossolo, va voter hier. À ce qu'on président de la République. Et là, nous allons parler à ces pays wana, nous allons parler à y a comment faire pour déraciner ce qu'on va trouver wana. Mais bino, ozoki sinyoka, au quartier moutouté, ozoki si kaka ozoki sa. To, ozoki si gepar, akine a limé na zamba, ozo mone disulte. Malamoko bande ko ganga victoire, bande ko nangaye, méfiez-vous. Méfiez-vous de ces gens-là. Méfiez-vous, Yabatouana. Vous allez vous rappeler à l'issolo Yabatouana, quand on a Bangombe. Bangombe, Bakota. Je crois dans le bas Congo, là-bas. Bakota, Kota, partout. Dans ma province. Dans ma village, plutôt. Vous vous rappelez de ces gens-là? Bobo Sania. Joseph Kabila se retrouve à la loi. Bota à Joseph Kabila Malam. Attaque au Longanaye. Vous sentez en lui quelqu'un qui a perdu quelque chose? Et pour Félix Tshilombo, tous ces généraux, tous ces gens qui sont dans le gouvernement aujourd'hui, de Rwandais qui se retrouvent dans ce gouvernement-là, qui sont au Congo aujourd'hui, côté de Joseph Kabila, pour Bayebi, que sont aussi qui est, que Mboko et Pakomo Kamaran n'a pas solo, mais surtout dans la SKT. Vous pensez que Bakoti Kabila, pour ne pas soutenir Félix Tshilombo. C'est bien bon. Beaucoup d'une assemblée nationale avec des colonnes. Vous avez cassé, détruit. Bah, meuble, oh, bah, quoi, qu'on a bien beaucoup de bah, somba, coup tout terre. Je dis bien, bah, quoi, qu'on a bien beaucoup de bah, somba, tout terre. Même le papa de Félix Tshilombo. N'a invité ça dans combien de bulletins de paye? Ce que je reconnais de Tshisekedi est un Tshisekedi de Mulumba. C'est parmi les gens qui ont fait mon bout de dictateur sur le plan intellectuel. Je dis sur le plan intellectuel, appelez ça bongo naïe. Avant, il y a beaucoup de Mobutu. Tu sais que le père appelle ça bongo naïe pour faire de Mobutu un dictateur sur le plan intellectuel.
biso ba koko na biso ba tata na biso ba servant mboka wana mon oncle paternel fut le premier gouverneur noir après le belge au Kasaï Mukenga Shabantu. Il est mort sans procès. Il est mort sans procès, sans poursuite judiciaire. Il est mort en paix. Et la majorité, il n'y a pas gouverneur, il le prenait pour conseiller, comme conseiller. Mais Bino, Tata, la Bino. Tata, il y a un deuxième temps. Je ne sais pas, il y a un Futaka. Tout le monde, il y a un salaire pour. Bato m'a parlé du peuple. Tata a Daniel Saf. Pour vous permettre aujourd'hui, vous qui êtes dans l'Assemblée nationale, monter sur le pupitre, à commencer à danser, y compris Kabound. Aller saccager le meuble de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas Tata Nabino va contribuer pour que Basso va mettre loin. Vous avez les sauts de moutons. Mais pourquoi ne pas aller faire tout ça du côté de saut de moutons? Pourquoi ne pas aller danser film du côté de saut de moutons? Et ça, Nabino. Pour que je malade d'ailleurs. Vous dansez film ou le colo, il y a un de mouton, il y a maintenant les militants de l'île de Pesse en bas, Bazota Labino, et vous êtes au-dessus, Kabound, Kabou, il y a tout le monde là, les airs tambour. Ok, vous dansez vos films là, du colo, basso de mouton. Ce n'est pas dans l'hémicycle, oh, bino, pour tout le monde, pour continuer à taper tout le monde, mais on a quatre. Et au sein de l'île de Pesse, il y a même des gens qui pensent que Namini Tobazu Misala Bangonyo Soto. Nakata l'île de Pesse. Il y a des gens qui pensent que Bazu Misala. Tout le monde vous dit qu'il va réduire le gouvernement. Il va réduire le gouvernement. Pour se faire la soi-disante majorité, vous allez conseiller la Makele de Wana. Il y a eu plusieurs concessions, plusieurs promesses. Bozu Katumbi, 1. Bozu Mbemba, 2. Bozu Batunyon se va défiler Wana Nyon Soto. Ba Pasteur Mukuna. Ba Pasteur Gili, aussi Batignon Swana, Ba Daniel Safou, liste à Batignon Swana. Ba Ngonyon surtout, Ba Zan, n'a intérêt n'a qu'à Ekosama dans les jours à venir, avec Chulombo. Ce qu'on bino bateau, il y a eu des pèses sur le chakama qui est le bozali, qu'on bina, ma komesana. Pour que le commissaire n'a wapi. Sans oublier Banapoto, ou Balanda Tilombo, si les gens ont salaté, ils sont dessus, Bazana Kishasawana, Baroze la Pétouroué. Banapoto, diaspora, Baroze Baroze. Bosu Barati Lukwebo, n'a pas tenu l'union sur Yamimi, il n'y a pas osé là. Bah, tu avec tous ces gens, à Rosena. Au Bakissi, bah, Claude André Loubaya. Au Bakissi, donc, lui, c'est ça, Moulaï. Et bah, tu n'as pas la cité, Bino, ceux qui m'ont pensé ministère, toi, m'ont pensé institution, moi, boy, à quoi tu as battu naïe.
Ce que bino boke de kos komi sana wapi. Na 10e rue. Toi beaucoup fois parlementaire debout à vie. Kalamingité, tu le mors à la nini 3 ans. Dans 3 ans, on va dire une année. Parce qu'après 4 ans, on se concentre maintenant aux élections. On prépare ma élection. Et comme il va faire courante, on prépare l'élection. C'est quoi, tout le monde a sacrifié 2 ans pour la bourreau na bino. A dit qu'il y a 2 ans. Dans 2 ans, on a une année, oyo, les alliés qu'on nomme informateur, na bino, les bino informateur, voilà. Qu'on nomme ce qu'est informateur. Après, c'est distribué le butin avec Batignon sur Baburo, Nabino, Bino Batayi, des personnes que vous allez voir. N'a inconscient, vous allez comprendre, vous allez voir qu'on était. C'est distribué le butin entre eux, politiciens d'abord. Et après, voilà, vous allez se retrouver, vous allez voir dans l'Assemblée nationale, vous allez voir le problème, et comme il y a une motion sur motion, et majoritairement, vous allez voir que vous avez un panzer, vous allez voir un panzer, vous allez. Et si demain, Joseph Kabila n'a pas tunaillé, bâti ce qu'on jette na bango en marche. Pour jusque là, ils ont juste passé la main. Est-ce que et comment tout ce qu'on a bango bâti ma campagne en marche? Quand on est passé là pour pas comme sélection un tour, bâti le double à montant. Vous pensez que le même personne au bino pour corrompre les lots, au bino pour corrompre les lots, bâti on a besoin que la parution on me passe à Kabila t'es. Avec rancune et la famille, il y a une famille Tshisekedi. Je dis bien. Parce que la famille Tshisekedi va rancuner au niveau de rancuner. Donc, avec rancune et la famille Tshisekedi. Avec ce que vous avez fait à Kamere. Je dis bien, avec ce que vous avez fait à Kamere. Vous pensez que Batou Obino va corrompre les lois, vous allez copier que vous êtes dans la majorité. Ces gens-là vont rester avec vous, vous avez confiance. Bah, c'est le plus mon thème. Ce que R, ce qu'il faut péter, 4 ans après, 3 ans et demi après, ce qu'on a besoin de la population, pour elle, c'est ce que la population nie. Je vais dissoudre. Pour faire quoi? Parce que dans une année, vous allez avoir une élection, et monsieur, ça, c'est quoi, il faut qu'on prépare. Quand les gens de l'île de PES, ils ont dit qu'ils ont Kabound, Kabouya, et la famille qui s'est créée, ils ont dit qu'ils ont un poteau. 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 Et à vous allez voir, je vais vous ça. Moi, je sais que vous avez 15 000 $. Je ne le souhaite pas. Mais nous risquons de vivre le scénario de Moussa. Je ne le souhaite pas. Mais nous risquons de vivre le scénario de Moussa. De Moussa, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec ce qu'est d'aujourd'hui. Moutouna makolo ya ba dilo mouza ke na ou sinye na ba rwande, biso peuple to yeba kite. Mais te bando bete le ma boko to zo yembe la ye. A kwa tsa biso na le boulot to kota le lo ti le lo. C'est la même chose avec Chilombo. Bo zo yembe pa kome sa na. Mais en angole ambou ma ye moko so ki na nini na site ya ou ya kona. Na évitez ce que vous allez faire.
Et pendant tous ces temps ici, vous avez besoin de créer au sein de la population congolaise un tribal. Un tribal. Et vous voyez, partout, vous allez souffrir, il y a un tribal, voilà, les 100 voix. Les 100 voix. Et la population, il y a Kassai. Et vous allez découvrir la personne, je m'aille. Oh, bah, il nous tourne à ma colotée, à ma rambo, bien, vous allez pour ça, là. C'est mes frères, les Kabeka, moi, qui vont être mal vus toute leur vie. Pourquoi? Parce que vous avez accepté de soutenir un monsieur. Un soi-disant chef de l'État, soi-disant président de la République, qui n'agit pas par ordonnance, mais qui agit par intimidation. Je dis bien qui agit par intimidation. Il est temps que nous puissions nous comporter en vrais patriotes. Et nous battre pour la patrie. Il est temps que nous puissions rendre justice à plus de 800 000 femmes violées au Congo. Il est temps que nous puissions faire reconnaître le génocide congolais. Plus de 12 millions de morts. Il est temps que nous puissions démanteler, déraciner les systèmes tout rwandais installés au Congo. Nous n'avons pas le temps d'intimider nos bourreaux. Nous n'avons pas le temps d'intimider nos bourreaux. Nous n'avons pas le temps d'intimider les ennemis de la patrie. Et nous ne pouvons pas continuer à se dire que voilà, nous référons à la Constitution. Et la soi-disante Constitution, où il y a des chartes et à occupation, rédigées par ces mêmes Rwandais. Il est temps que nous puissions nous battre et défendre cette terre que nos ancêtres nous ont léguée. Il est temps que nous puissions rendre justice à Thérèse Kapangala. J'ai suivi un journaliste congolais en train de dire que j'ai rêvé, suite à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, la destitution du bureau de Janine Mabunda, j'ai vu Rossi Mokendi dans la salle, j'ai vu Thérèse Kapanga dans la salle. Vous pensez que là où se trouve Rossi Mokendi, Thérèse Kapanga, leur âme repose en paix? Quand aujourd'hui vous mettez encore à référer une majorité avec leur bourreau. Non.
Arrêtons d'être des Congolais des services. Lève-nous comme un seul homme et défendons cette meilleure patrie. Et pour ceux qui chantent matin, midi, soir au fédéralisme et autres, il n'est pas encore temps. Il est temps que nous puissions nous mettre ensemble, lutter ensemble. Et les restes, nous verrons ça après. Il est temps que nous puissions lutter sans pour autant se poser des questions, tu es de quelle province? Non. Nous luttons tous ensemble, tous nous regardons dans la même direction et cherchons à abattre l'ennemi ensemble. Parce que le temps que toi tu vas chercher à me poser la question, tu es de quelle province? Tu es d'où? Soit c'est moi qui vais être éliminé par l'adversaire en face de nous, ça c'est toi qui peux être atteint par une balle de balle. Tous ensemble pour un Congo fort et prospère. L'histoire qu'on est en train de vous rencontrer de union sacrée, frères et sœurs, et à des distractions. On ne fait pas d'union sacrée avec le bourreau de ton peuple. On ne fait pas d'union sacrée avec le bourreau de tes frères et sœurs. On ne fait pas d'union sacrée avec des gens achetés. On ne fait pas d'union sacrée avec des députés qui ont été nommés. On ne fait pas d'union sacrée tout en alimentant les tribalismes. On ne fait pas d'union sacrée sans pour autant rendre justice à tes propres frères et sœurs. On ne fait pas d'union sacrée sans pour autant réparer, sans réparation. Toutes ces femmes et enfants violés par les militaires rwandais. D'autres incapables même de concevoir aujourd'hui. Toutes ces femmes et enfants violés par les militaires rwandais. Qui gardent aujourd'hui des cicatrices sur leurs appareils génitaux.
ne veulent pas, ils n'attendent rien de votre union sacrée. Faites ou composez de leur bourreau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc, essayons un peu de réfléchir ensemble. Et mettons-nous ensemble pour défendre notre patrie. Et que chacun, là où il se retrouve, essayez de se comporter en vrai patriote. Se comporter en vrai patriote, c'est pas suivre mes vidéos. Se comporter en vrai patriote, c'est partager ça. Se comporter en vrai patriote, c'est chercher à passer, poser des actes, des actions, ensemble. Se comporter en vrai patriote, c'est savoir expliquer, faire comprendre à ceux qui sont restés au pays, qui pensent que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est normal. Leur dire la vérité et faire l'éveil patriotique. Merci Nabino Bansone pour l'indivision. J'espère que Moutran Moutou et Skazali Aluka a partagé la vidéo dans 10 groupes ou 5 groupes. Atteignez la paix de la message pour que Maïo puisse tourner dans la lobby pour la Congo et Salima. Je sais que Nabino Bansone, puisque vos amis, quel que soit R, Bokola Nangaï, donc ensemble, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'était votre frère. Votre ami, le vrai patriote résistant, Georges Edgar Bampalé, depuis l'Allemagne.